Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de Beach Brave Souls qui est l'épisode. Je vérifie. L'épisode 181. Voilà donc la Spirit Society, trois troubles de fête. C'est une histoire secondaire à mon avis. Trois troubles de fête, à mon avis, il y aura trois chapitres. Mais on fera quelques tirages après si ça dure pas trop longtemps. Merci. Alors, allez, avant de commencer, il faut que je prévienne un petit peu. Là, je tourne cet épisode vraiment une semaine avant sa diffusion. Ce qui signifie que le contenu de Beach Brave Souls est en train de se resserrer. Je doute qu'il y ait du contenu avant la semaine prochaine. La semaine qui suit, je veux dire, la diffusion de cet épisode. Donc, au cours des deux prochaines semaines pour moi, mais voilà, pour vous, la semaine prochaine, il est possible qu'il n'y ait pas d'épisode de Beach Brave Souls. Ça sera donc. Attends, hop, parce que la musique est super agaçante par contre. Donc, le mercredi prochain, il y aura un épisode sur une nouvelle série. Voilà. Je vous dis pas ce que c'est, mais il y aura une souris. Une souris, n'importe quoi. Une série bouche-trou entre les épisodes de Beach Brave Souls. Voilà. Il y a 11 épisodes de cette série. Donc, j'ai 11 semaines. Où je peux combler les trous entre les épisodes de Beach Brave Souls. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, donc la semaine prochaine, il n'y aura certainement pas de Beach Brave Souls, mais il y aura donc le premier épisode de cette nouvelle série. Voilà. On est parti. J'ai fait un tour et je dois dire que les festivals du monde des humains sont fort animés. Ah ouais. Voilà. Ah. Évidemment, pas une chose. Zut, j'ai pas lu le résultat. Excusez-moi. Vous avez certainement le temps de lire. Il y a une attraction là-bas, une maison hantée. Elles ont décidé d'y aller et moi, j'ai décidé d'attendre dehors. D'accord, donc ça devait être Yuzu Karine, certainement. C'est ça. Karine y est allée, j'espère que tout ira bien. Non, ça va, te fais pas de soucis pour Karine. Pas de soucis à voir en ce qui concerne d'éventuels holos, mais il y a de grandes chances qu'elle aperçoive des esprits. On dirait qu'il s'agit plus d'acteurs que d'esprits, mais bon. Oh, Lisa, il y a des marrons. Ah, oh, attendez, excusez-moi. Et Ichigo, la demoiselle là, elle a fait tomber quelque chose. Ah oui, c'est vrai, attends une seconde, tu sors d'où toi? Ben j'étais planté dans ta capuche, c'est ma nouvelle technique de ninja. T'as rien de mieux à faire, on va croire que je me balade avec une peluche à mon âge. Et alors les nanas trouvent ça mignon et ça te donnerait une ouverture. Bon, personne ne regarde par ici, ramassons ce truc et ramassons-le et ramenons-le à la demoiselle. Bouge pas sans permission. Attendez, revenez ici. Attaché à des masses. Benihime ! On va changer un peu. C'était ça, de l'épisode précédent avec le grand mouchard. On va laisser Rukia un petit peu faire. Je me souviens pas de cet endroit. Rukia, ça te dit quelque chose? Zut, j'ai cliqué dans Explit. Où était passé? Regarde Ichigo, voilà la demoiselle. Toi, Nathan, Rukia a disparu. Mademoiselle. C'est à moi que tu parles.
vous avez perdu quelque chose, Lisa, c'est toi? C'est bien mon nom, on peut savoir qui tu es. Quelqu'un qui me connaît sans que je ne le connaisse, ça sent le pervers. Tu es un maniaque qui me suit. C'est Lisa, ça. C'est tout Lisa, ça. Tout de suite, c'est... Quoi, mais non. Et là, elle a 12 heures dans sa tête, dommage. Mais c'est... Ah là là. C'est moi, enfin, un petit peu, pour la famille. Je vois. Et donc, tu es en là. Quoi, oui, d'où elle sort, cette question? Je suis Lisa Yadomaru, l'esprit au serpent, enchanté. L'esprit. Ah d'accord, il faut pouvoir le requier pour m'entendre au fond parce que je me disais c'était quoi ce coup de serpent. D'accord, ok. Ou alors c'était une attaque de Lisa, une attaque de zone qui persiste. Mes chers petits ont aussi envie de jouer, on s'amuse encore un peu. Voilà des serpents. Celui-là est chaud, celui-ci est froid. Ah, comme que j'ai pas bien pris le temps de regarder le design de cette version de Lisa. Mais ouais, d'un côté rouge avec une natte rouge, et puis d'un côté bleu avec une autre bleue. Ça me fait penser un petit peu à Ying et Yang dans Theme of the Stranger. Un petit peu pareil, c'est ces designs-là. Mais là, c'est sur un même personnage. Quoi. C'est. J'avais pas vu, elle a aussi du tatouage sur la cuisse. Non, c'est plutôt. Il est plutôt bien travaillé ce design. Par contre, peut-être que les lunettes auraient dû être travaillées. Peut-être. Lisa. Parce que là, ça fait vraiment trop de design humain pour le coup. Ça, une lunette un peu plus fantaisiste. Enfin, je sais pas, d'une couleur un peu fantaisiste ou quelque chose comme ça aurait été peut-être plus pertinent. Oula, tu m'as fait peur. Arrête de sortir des trucs sans prévenir comme ça. Commence par arrêter de nous attaquer avec tes serpents, avec ces serpents. Il n'y a pas de quoi s'en faire, c'est une illusion, vous êtes indemne. Toi ta réaction était bien, par contre cette Ichigo n'a aucun talent à ce niveau, je vous laisse sur toi. Non mais c'est quoi ton problème? Tu passes sur moi le stress de ton nouveau petit boulot ou quoi? Ce n'est pas un petit boulot, c'est mon travail, ma vocation. Je te l'ai dit, je suis l'esprit au serpent. Le travail d'un esprit, c'est de jouer des tours aux humains. Esprit, mais alors attends, ça veut dire que... Vous avez compris, non? On est dans la Spirit Society ici. Et pourquoi je me retrouve encore ici, on sent. J'adore cette version d'Akuka. Vous savez que j'adore ce design. Il est super bien bossé. Et puis maintenant, surtout de la résurrection. Donc, elle est en mode résurrection. C'est cool, c'est cool. Et j'avais aussi. Alors, l'équipe que j'ai là, en fait, c'est la toute dernière équipe que j'ai montée à 200. Au niveau 200. Donc tous mes personnages en fait sont niveau 200 et maxé au maximum. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... J'ai plus de personnages en entraînement en fait avec le Fouquet. C'est parce que je les ai tous maxés. J'ai réussi à rattraper mon retard. Donc c'est pour ça que voilà, il n'y a pas de personnages de bas niveau dans mon équipe. Parce qu'il n'y a plus de personnages de bas niveau. Oh oh. Bleach. Bleach. Petit souci. Mais écoutez, je mets en veille le temps de revenir. Bah, je mets en veille, je mets l'enregistrement en plus. Ah, bah attendez, c'est ma petite clé d'aller retirer la tête. Donc on est parti. C'est bon. Tu vois pourquoi j'ai eu un échec de téléchargement. C'est vous qui avez décidé de m'accompagner, tiens, pourquoi
êtes-vous venu? Parce que vous avez perdu quelque chose au sanctuaire, alors on t'a couru après pour te donner, pour te le donner, pardon. Tiens, regarde. Quoi? Ça alors, c'est vrai, ça aurait été drôlement embêtant de le perdre. J'ai du mal à trouver ce que je veux, même dans votre monde, c'est dans le temps. J'ai peur de demander, mais ce livre, c'est quoi? Ça t'intéresse, tiens. J'aurais dû m'en douter. Fais un peu attention où tu laisses tes bouquins cochons comme ça. Comme quoi, d'un univers à l'autre, ça reste la même, quoi. Ah, franchement, bon, on t'a rendu ton livre, fais-le rentrer maintenant. Je ne sais pas comment renvoyer les humains chez vous. Moi, vous y arrivez bien tout seul, la preuve, vous avez réussi à venir. Moi, je ne sais pas comment rentrer tout seul, à chaque fois quelqu'un s'en est chargé. Pathétique. Oui, bah si tu n'avais pas fait tomber ton bouquin, on n'en serait pas là, espèce d'obsédé. Je suis pas obsédé, il s'agit d'approfondir ma connaissance de libido humaine. Arrête de prendre tes grands airs. Tu vois, c'est ça, quoi. C'est vrai. Ça, c'est cette excuse. Cette tournure de phrase. Je vois trop mes potes, par exemple, dire je regarde pas de vidéos, quoi, des vidéos adultes, j'étudie la libido humaine. J'étudie la reproduction sexuelle chez l'homme, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, suivez-moi. Je les ai déjà fait mes achats, c'est en revenant que ces humains. Attends, des humains, c'est alors toi aussi. Ah, vous le cas. Enfin, sauf que Rika n'est pas humaine, c'est une shinigami. Parce que toi aussi, t'es là, nous voilà bien. C'est vous qui êtes parti en courant, alors je vous supplie. Là, on s'est retrouvés, c'est ce qui compte. Si on était séparés ici, ce serait encore plus compliqué. C'est bon, les retrouvailles pleines d'émotions, c'est fini. Attends, tu es Shinji? Bah oui, je suis Shinji Murako, le maître de ce lac. J'accepte vénération et offrande. C'est pas un lac, c'est un marécage. Arrête de te jouer. L'un ou l'autre, qu'est-ce que ça peut faire? Mais bref, Ichigo, Ruka. Je ne demande pas mieux que de vous aider à partir dans votre monde, mais là, on doit aller à un festival, alors n'insistez pas, ok? Parce que tu crois qu'on va se concentrer, qu'on va se contenter de ces présents à vos dames? Oh my. Arrête de faire tout ce refus, enfin, si quelqu'un découvre que vous êtes là, il fait quoi? C'est la troisième fois que tu te pointes, alors tu le sais. Si les gens apprennent qu'il y a des humains ici, c'est la cata. D'accord, mais n'empêche que... Une seconde, pourquoi tu nous connais, toi? La Rukia de notre monde m'a parlé de vous, et cette Rukia-là m'a parlé que vous étiez revenu ici. De vraies sœurs jumelles, c'est fou. Même un spécialiste de l'imposture comme un renard ainsi de ses parents. Tu connais bien la Rukia de ce monde alors? C'est une amie, oui, entre ermites, on se comprend. Ermites.
en général, notre petite Rukia, on ne descend pas de la montagne, de sa montagne. Quand on veut la voir, il faut faire l'effort d'y aller. On va la voir d'ailleurs. Attendez, juste avant, est-ce que... Non, pas du tout, non. On peut pas changer là de... On va switcher un petit peu. C'est juste, on va essayer de mettre un personnage assez cool. Je vais essayer de mettre un personnage assez cool pour une fois que j'ai pas de personnage en entraînement. Il faudrait qu'on mette un personnage assez cool. Oh tiens. Ça faisait longtemps. La version était de... Neliel. Voilà, je prends un petit peu de temps, hein, mais à mon avis, cette histoire va pas durer extrêmement longtemps. Du moins, je l'espère. Puis ça change un petit peu de Kisuke. Allez voir Rukia et pourquoi faire. Puisque tu es là, c'est l'occasion, non? Mais qu'il manque de chaleur, lui, c'est pas comme ça que tu vas plaire aux filles. Moi, je te le dis. Que je plaise à Rukia ou non, moi, ça me... Qu'est-ce que tu racontes, espèce de fou? Évidemment, ton rêve de lui plaire. On parle de s'y mettre, là. Un comportement normal, c'est vouloir avoir la cote auprès de Nana, et pas seulement serait toute. Voilà exactement ta serpillière là qu'on prend mieux que toi. Qui est une serpillière? Je suis la mascotte toute craquante qui fait fondre le cœur des filles. Tu t'es vu avec ta vieille coupe au café. On s'en fiche de tout ça, alors arrête de chercher la bagarre. On ne s'en fiche pas du tout, c'est de la plus haute importance pour vous. Je vous écoutez les explications de Rukia, je ne comprends pas comment vous êtes arrivé ici. Et en supposant que vous preniez pour envoyer chez vous, il nous faudrait un de ces objets qui ne court pas les rues et que nous n'avons pas. Et si vous ne voulez pas qu'on découvre votre présence ici, il faudrait faire Rukia, pas d'autre chose. On passe par chez elle en allant au festival, du coup je ne suis pas contre l'idée de vous accompagner. Ah c'est ça, mais ça ne va pas l'embêter qu'on s'adresse à elle. Imbécile, ne prends pas sur mon compte, même dans un autre monde, je suis moi-même, je ne laisserai jamais tomber un ami en détresse. Monsieur Hirako, elle m'a dit, si vous le voulez bien. メイク。私が出ます。紅姫。ツッコミ。ノーノードス。ノーノードス。紅姫。
territoire secret des Tengus, la montagne, la ville, notre petit truc là. Ceux qui s'y aventurent sans le savoir ne trouvent qu'une montagne normale, mais si on prononce le mot de passe, un autre chemin apparaît. Tiens, le vide. C'est quoi le mot de passe ? Rukia, y es-tu ? Que fais-tu ? Amusons-nous. C'est quoi le mot de passe ? Arrête de critiquer, c'est un mot de passe en béton, parce que c'est quelque chose que ceux qui ne sont pas censés passer ne diront jamais. Allez, imagine. Monsieur Yago, que se passe-t-il ? Je vous croyais en route pour le festival. Ouais, on retrouve cette version de Rukia, résultat. Il faut pas vraiment te retravailler. Mais toujours sympathique à moi. Et puis Con et l'autre moi-même, que signifie tout ceci ? Le mot de passe a marché. Désolé de t'ennuyer, Rukia, tu vois, ils sont de nouveau là. Tu ne pourrais pas les renvoyer. T'as beaucoup d'éventail comme ça, vite. Le pourquoi du comment de leur présence ici, tant pis, si on ne les fait pas rentrer, illico, c'est tout drôlement. Ça ne fait aucun doute, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas le pouvoir de les renvoyer chez eux. Quoi ? Ouais, ça dure un petit peu. Ouais, donc résultat, j'ai pas utilisé l'ingénieur. Ne me dites pas que les conséquences de notre dernière aventure se font ressentir. Nous avons été interpertis et l'éventail avait été endommagé. C'est vrai que ça s'était passé comme ça l'autre fois. Non, ce n'est pas le souci. Je l'ai fait réparer et tout va bien. Le problème, c'est le moment de votre venue. Comme M. Yarako et Mademoiselle Yadomaru le savent bien, un grand festival se déroule en cinéma, on est taillé là-bas, je suis sûr. Et puis le chef de ton clan doit être bien occupé, surtout cette année. Oui, cette année, c'est le prince Kuchiki qui est chargé du festival. Voulez-vous dire qu'il y a un rapport entre l'éventail et ce festival ? L'éventail est un trésor de notre famille et la tradition veut que nous présentons ce trésor au sanctuaire lors du festival. J'ai donc remis à mes frères l'éventail que j'ai l'honneur de garder d'habitude. C'est alors que je le trouve grand. Il te le rendra quand tout sera terminé et suffit d'attendre un peu. Attendez, ouais, il se termine quand ce festival ? Dans 20 jours. C'est une blague. Ah, vous l'avez cherché. Votre festival dure encore 20 jours, c'est pas croyable de faire des trucs aussi longs. Il y a les cérémonies d'avant-festival, puis le festival, puis les cérémonies d'après-festival. 10 jours pour chaque, ça fait un total de 30 jours. J'hallucine, attendre une année et je veux bien, mais on ne peut pas faire le pied de grue aussi longtemps. Non, pas une année, à moi. Je suis désolé. Non, c'est pas ta faute, mais bon sang. Dans les conditions, il ne reste qu'une chose à faire. Pas moi, j'ai une minute. Quoi, vous avez un plan B ? Ça ne sert à rien d'attendre ici, alors on va au festival. Vous êtes sûr ? Un esprit venu des quatre coins de la contrée se rassemble à l'occasion du festival. Si nos visiteurs sont découverts, il n'y a aucun risque, tout le monde est complètement sous, de toute façon.
un important festival traditionnel qui se déroule de cette façon. Oh, c'est comme ça que ça marche, Lucia. Tu ne peux pas quitter ta montagne, je suppose. Je me charge de les emmener en la route. Shirako. C'est censé être un festival, il n'y a pas de stand, des trucs comme ça, c'est mort ici. On ne veut pas se précipiter dans les endroits fréquentés, enfin ceux qui découvrent que vous êtes là, on fait aussi des coups de retour avec toi. Mais tout à l'heure tu disais qu'il n'y avait aucun risque. Ça c'était pour Lucia, je ne voulais pas qu'elle se ronge les seins, la pauvre. Monsieur Hirako. Bon, j'étais à moitié sérieux, il y a tellement d'esprits rassemblés ici que beaucoup ne se connaissent pas. Et il y a des petits malins qui se transforment pour jouer des tours plus ou moins spirituels aux autres. Bref, on peut avoir un ennemi ou un humain à ses côtés sans le savoir pendant ces 30 jours. Les esprits frappeurs déambulent librement avec de la chance, nous les en tirons sans casse. S'en tirer sans casse, c'est plus difficile. Oui, je suis là, vous venez. Oui. C'est de voir un petit coup. Tout juste, vous pourriez me tenir un peu compagnie quand même. Avec son look, c'est assez glauque, hein, la forme squelettique qu'il y a derrière. Et ça donne plus contre le kimono, j'adore ce sprite. Quand la coiffure, elle est. C'est ce style-là, quoi. Elle est un peu ouf, la coiffure. Oui, et toi, tu pourrais faire comme si tu ne nous avais pas vu. Mais vous êtes vraiment venu vers moi, et je me suis dit que vous vouliez vous amuser au jeu tort. En tout cas, vous ne devriez pas faire quelques visites de courtoisie, maître du lac. Il y a un certain monsieur derrière le mur qui vous cherchait. Si je le vois, je n'y manquerai pas. Là, je dois m'occuper du petit étourdi qui se. Des petits étourdis qui se sont égarés. Cayenne est dans le coin. Le patron est là-bas. J'allais justement le rejoindre. Venez donc avec moi. Cayenne Shiba ? Donc il est vivant dans ce monde. D'accord. Ah, vous l'aurez pas sonné ! Ça va durer encore, ça va encore durer un peu de temps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une version Cayenne dans ce monde. Bon, cette fois-ci, je mets les liens. Patron, j'aime les invités. Les invités, et bien, tant que ça. Bonjour monsieur Cayenne, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Ok, ça doit lui faire drôle de voir Cayenne. Ah Rukia, oui, ça fait un bail, tu as l'air en forme. Oui, vous aussi, vous avez l'air en forme, comme toujours. Et bon, et que se passe-t-il? Vous n'êtes pas venu faire du tourisme et profiter du festival, je suppose. Ils se sont égarés, pareil.
C'est une histoire très sérieuse et très complexe. Ça. Ouais, Anton voulait juste rendre à l'expression qu'il est bien. Lisa est allée dans le monde des humains. Eux sont revenus ici avec elle. Et vous voulez que je fasse quelque chose, c'est ça? C'est fou, il a besoin de vraiment ce mec. C'était bien. Et bon, il suffit de réfléchir un peu. Pourquoi vous savez qui l'a amené chez moi, si ce n'est pour ça? Surtout que le rappel de l'emploi est au sanctuaire entre moi. Ma foi, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Il pense que ta gueule, tout en tu fais bien fait. D'accord, mais pas tout de suite. Ne me dis pas qu'il faut attendre 10 jours ou je ne sais quoi. 10 jours, ah, vous êtes au courant du déroulement du festival. Non, je vais vous faire attendre jusqu'à tout la nuit seulement. Il se passe quelque chose de spécial là, quand la nuit tombe. La cérémonie principale du festival va bientôt commencer, elle durera jusqu'à la tombée de la nuit. Si vous voulez voir, c'est tout près, allons donc faire un tour. Attention à des monstres. Enihime! L'église est sortie par Eo. Des tambours, du clan Kashiki, cette année, c'est lui qui accueille le festival. Et ici, on a un poste d'observation pour jouer les petits voleurs. J'ai une de ces façons de présenter les choses. Vous n'y allez pas directement, vous avez bien sûr eu dans ce monde de la liste de ceux qui peuvent assister à la cérémonie sur place est très limitée. En quoi consiste cette fameuse cérémonie au juste? Alors, j'ai mis ce jeu, il s'agit d'exprimer notre gratitude à un miroir. Un miroir dans lequel on se regarde. Ce n'est pas un miroir ordinaire. À l'aube de la Spirit Society, un miroir qui causait des problèmes et a été enfermé. Un miroir soit sacré, quoi qu'il en soit. Voici un endroit des histoires. Pour enfermer tous les esprits, ont dû mettre leur pouvoir en commun. C'est ce que dit la légende, en tout cas, pour s'assurer que le sceau reste coincé, le miroir est confié à de puissants chefs de clan, l'un après les autres. La cérémonie où ils se le transmettent tous les 7 ans est devenue un festival. Celui qui reçoit le miroir est chargé d'organiser le festival. Il y a va être le tour du tenu pour les clans, pour les saints, pour les enfants à venir. C'est pour cela que cette année la cérémonie a lieu dans le sanctuaire du clan Kuchiki. Seul celui qui remet le miroir à celui qui le reçoit participe à la cérémonie, les autres se retrouvent de regarder et nous en profitons tranquillement ici. Je pensais que ça durait que 3 chapitres et en fait c'est plus long que prévu.
espérons que tout se passe bien. Bien, celui qui représente le Kuchiki, c'est Byakuya. Là-bas, on est d'accord, le connaissant, tout se passera comme il faut. C'est couru d'avance, non? De son côté, pas de soucis à se faire. Par contre, celui qui était chargé du miroir à 60 dernières années, c'est le renard. Ah putain, c'est Gin. Le renard, qui veut dire Ginichimaru. Pas la peine d'être sur tes gardes comme ça, tu sais, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Je n'ai aucune arrière-pensée. J'estime que personne n'a rien à gagner à semer le trouble ici et maintenant. Content de te l'entendre dire. Il y a de l'électricité dans l'air. Cette cérémonie de transmission pacifique sert aussi à montrer qu'il n'y a pas d'hostilité entre les clans. Le conflit de la dernière fois avec Rukia dans lequel vous étiez impliqué est une affaire classée ou plutôt balayée sous le tapis, mais au fond. Il suffit qu'ils se transmettent le miroir sans amis proches, et c'est bon. L'un le remet, l'autre le reçoit, les deux vont jouer leur pouvoir. Vont jouer leur pouvoir devant le sanctuaire de la cérémonie et terminer. Je déclare ouvert la cérémonie. Salut les gars, c'est vous qui avez ouvert ma prison. On va s'attarder un petit peu sur le sprite de White quand même. Si c'était une histoire, j'exhausterais vous souhaiter quelque chose du Mutomo, mais désolé, c'est pas le genre. Alors, je m'attarde un petit peu sur son sprite, il est méga classe. Le tatouage là par contre, il est peut-être un petit peu trop, mais puis c'est quoi ce truc quoi, non mais sinon il est pas mal, ce sprite. Mais il fait un petit peu, je sais pas, au niveau du corps et du bord, ça fait un petit peu Naruto quand même. De la maison, je vous remercie quand même. Ce n'est pas très poli de briser le miroir. Je crois que je vais prendre bien soin de cette saleté qui m'a emprisonné si longtemps. J'ai l'air d'un idiot. Enfin, douleur qu'il crie. Bon sang que ça fait du bien d'être libre. Bon, on aura eu droit à son ulti et c'est plutôt cool. Je déplore cette démonstration de violence en ce lieu chargé d'histoire. Quel est ton but? Mon but, je n'en ai qu'un, bien sûr. Pas drôle, donc pas stable. Pas drôle, donc pas stable. Il a disparu. Oh là, ça dépasse tout ce que j'imaginais. Comment? Agi, toi aussi, ça fait partie du festival. Si seulement tu parles dans la commune. C'est sûrement un peu trop facile de conclure que le renard a tout mal lancé.
Alors, il n'aurait rien à voir avec ça, simple coïncidence. Ça, c'est à votre goût. Ça a l'air chaud, Shinji. C'est la panique. Ils disent que la mémoire abritée a disparu, lui aussi. Disparu. Elle a disparu en même temps que ce type. Il n'y a plus rien. Ça aurait été aussi beau que tout se passe sans un croche. Hein. Et oui, désolé, mais vous allez devoir attendre un peu pour que je vous renvoie chez vous. C'est pas vrai, ça va durer des points. On est à 41 minutes. Désolé de débarquer chez toi en nombre, Fletcher. Il n'y a pas de souci, personne ne viendra par ici, tant que les choses ne se seront pas calmées. J'espère simplement que mon frère est sain et sauf. Bon, je suppose que oui, de toute façon, je demandais à Lisa d'aller examiner la situation. D'accord, mais cet esprit qui est accompli pour voir ce qui est-il? C'est celui qui était enfermé dans le miroir. C'est la première fois que je le vois, mais voilà. Que va-t-il passer? Il y a plusieurs gens de notre côté. Qu'allez-vous faire? Attends, c'est pas du monde qui fait ça. Toi, tu as envie de rester tranquille jusqu'à ce que les choses redeviennent normales. C'est pas ce que je veux dire. Si ce n'est pas ce que tu veux dire, alors trouve-toi un moyen de vous renvoyer chez vous. Nous, aller et venir entre nous. C'est normal, il n'est pas question qu'on apprenne que des humains se sont plantés ici en compagnie de l'un d'entre nous. Il faut vous faire repartir au milieu de toute cette confusion parce que. Ah, ça, c'est la démence. Qui a brisé le sceau, renard. Oh, mais dites-moi, une visite imprévue pour couronner une nuit mouvementée, comment se fait-il que tu aies quitté ta tanière? C'est fini les civilités, je te demande si c'est toi qui a brisé le sceau. Un renard n'a pas de tel pouvoir, non. Par contre, il est vrai que le miroir a passé 100 ans dans mon sanctuaire et le surveiller sans quitter les yeux pendant 100 ans, ce n'est pas possible. Peut-être un malandrin a-t-il fait quelque chose alors qu'il était au chaud dans le sanctuaire. C'est peut-être ça le problème. Joue les innocents si tu veux, je m'en fiche par contre. Me voler une proie, ça je ne le permettrai pas. Si quelqu'un ose se mettre sur mon chemin, c'est la mort qui attend. Qui t'y prend? Oh
là là, et la voilà repartie. C'est gentil de sa part d'être venu me prévenir. Cela dit, je n'en fais rien, moi. Je n'en fais rien. Allez, chapitre. Moi, je pensais qu'il y en avait 3 à la base. Ichigo peut insérer l'âme de son familier dans son propre corps. C'est vraiment pratique, dis donc. Pourquoi a-t-il choisi une peluche? Parce que c'est son truc. Alors, à ma droite, des mots rebondis, à ma gauche, des formes sexy, c'est le paradis. Sauf que j'aurais préféré venir dans le coin du Chino. C'est pas le paradis, c'est la steppe, va-t-il. Et faudra pas oublier qu'on n'est pas ici en excursion. En plus, 1. Ce n'est pas mon familier, et 2. Les peluches, ce n'est pas trop mon... ce n'est pas mon truc. Stressé et pinailleur, hein, tu dois manquer de calcium. Mais bien sûr, je dois manquer de calcium. Qu'est-ce que je fais pour arrêter ça? Shinji a dit qu'il avait une idée concernant cet esprit qui s'est échappé, mais il est parti. Vous croyez qu'il n'arrivera à se trouver? On arrêtera de trouver un seul. Ce n'est pas une question de nombre, il est parti parce que selon lui, on aura besoin de quelque chose quand on retrouvera l'esprit. Voilà. Nous, on est équipe de recherche, le maître du lac et le patron s'occupent d'autres choses avec notre avocat. Notre avocat sert d'agent de liaison à la base. Chacun son travail. Attention à démonstrer. Fricoter avec les humains, pourtant ça ne pose pas de problème que tu viennes chez nous faire des petites enquêtes. Si c'était moi, Rukia ou le patron, si, mais elle, c'est un cas à part. Si les choses tournent au monde, on sera bien embêté. Si on ne savait rien sur votre monde, tu vois, alors je fais de la recherche. Tes recherches tournent au vinaigre. Attends, vous voulez nous faire la guerre ou quoi? À l'origine, je disais que c'est la raison de ces recherches. Aujourd'hui, personne n'envisage des trucs pareils. Il s'agit juste d'aller à la librairie ou à la supérette. Au départ, c'est un abruti qui voulait créer des démons qui nous a donné naissance. On ne peut pas dire qu'avec nous, le résultat a été parfait, mais bon. C'est possible ça? L'essence d'un démon, c'est une masse concentrée de puissance, rien de plus. Il suffit d'injecter ce pouvoir dans un contenant. C'est plus facile à construire que bien d'autres choses.
Mais tu sors toi. Ensemble. De temps en temps j'utilise des orbes mais putain, je m'attendais pas à ce que ce soit ça. En quoi ça a de l'importance, ça dérangerait. Ça dérangerait quelque chose. Hein, tu veux. Attends, me dis pas que tu es moi. Mais si, je suis toi. Et en toi aussi, hein, cette puissance que je représente. Oui, voilà, il y a bel et bien un autre moi dans votre monde. J'avais parlé qu'il viendrait aujourd'hui. Tout s'est passé comme sur le roulette. Au final, tu as bien fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein. Oui, j'ai juste entrouvert la barrière pendant un instant. C'est vous qui êtes allé dans leur monde. C'est vous qui les avez amenés ici. C'est quoi ton but? Quand on possède le pouvoir, il est naturel de vouloir l'utiliser librement selon sa propre volonté. Or, en l'absence d'autres, de contenant, mon existence reste instable et je ne peux pas utiliser mon pouvoir à ma guise. Sauf que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait me servir à l'autre. Un autre quoi encore? Ah mais c'est qu'il sait se servir un peu de sa tête et quand on a souligné quelque chose que l'on veut lui servir, on s'en empare, rien que normal. Je vais démasquer. Mémihime! Des lots, allez savoir, moi je ne le sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Que cherches-tu à faire alors? Je ne crois pas que vous soyez en position d'avoir une conversation tranquille. Alors tu croyais pouvoir m'échapper? Merde. Bon, il y a bonne chance. Arrête. Bon, on va dépasser l'heure. Pour une fois, on dépassera l'heure. Vous savez que je m'efforce de jamais dépasser, mais là...
permet de regarder ailleurs. Attention, si tu fais trop le malin, toi aussi, tu signes ton arme mort. Oh, c'est Sprite. Fais tes prières, serpent inferno. Au lieu de me battre contre toi, je vais plutôt te faire de jolis rêves. Voilà, là, c'est Sprite. Des rêves. J'ai eu le temps d'en faire plus que tu pourrais jamais l'imaginer. Tes petits doigts de passe-passe ne marcheront pas sur toi. Oh, ce Sprite aussi. Ikkyo, ton réceptacle, il va m'appartenir. Il est super ce Sprite. Dans tes rêves, t'es doré. Le démon radin, le mauvais garçon qui ne sort jamais de lui, toi aussi tu es venu te battre avec nous. Ah, l'équipe de l'autre fois, qu'est-ce que vous fichez ici? De toute façon, j'ai rien à faire avec vous et je suis venu, c'est pour vous. Ah bon? Atashi ga demasu. Enihime! Sauf que t'es revenu dans un drôle de peur, ça ne vaut pas le coup, je gagnerai progressivement. Je gagnerai progressivement, hein, et sous quel prétexte tu me laisserais finir en combat. Je suis l'ennemi qui est en face de toi, défendra son pouvoir, tu prends jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est ça, l'instinct primordial, toi comme moi, on ne le sait pas, tu veux le dos, je peux pas. Si tu es civilisé au point de t'abstenir ici et maintenant, alors n'ose plus jamais te prétendre à voir. Mais c'est une décharge. Ah là là, les sprites, ils sont fous. Ça me déplairait que tu sois un peu plus, mais tant pis, je vais te déplairer. Dodaï, Hijime! Attends, ah, taïkutsu da ze. Alors quoi, c'est tout ce que tu as, ça se permet d'aboyer alors que c'est accomplé. On lutte pour le pouvoir de celui qui est encore debout à la fin, a le droit de survivre, et là c'est fini pour toi. Pourquoi tu suis pressé? On n'en a pas terminé, c'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser. Ah ouais, très bien, j'ai pas mal. Comme ça va? Ça va, mais je ne comprends plus rien. Ah, vous l'avez pas fait. Format habituel de la chaîne, mais là l'histoire est vraiment longue et je m'attendais pas à ce que c'est aussi long. C'est pour ça que j'ai pris mon temps au début, mais j'aurais pas dit. C'est quoi le problème? Ils se mettent à se battre sans préavis et je n'en sais pas plus que toi, mais pour nous ça tombe à pic, profitez-en pour filer.
vous entend parfaitement, j'ai eu son âme. Comme ça. T'as fini de regarder ailleurs, c'est contre moi qui bat. Comme pas si vite. Assaut à la chita, fleur de terre. T'as les strikes qui sont quand même. Kayen, Ruka, comment nous avez-vous retrouvé, je vais parler. Dit-il sur un champ de taille qu'on aperçoit des centaines de riz à la ronde. Bon, sinon, que se passe-t-il au juste? Nous non plus, on ne comprend rien. Attention, de jouer de lunettes, Reichigo. Vous avez bientôt fini de vous incruster dans le combat pour discuter. Vu d'ici, c'est toi qui t'es incrusté dans notre affaire, mais je me permets d'intervenir un peu. Quoi, c'est encore toi? T'es pas encore mort? Ne pas garer avec des esprits que je ne connais pas. C'est pas mon truc, mais là, je n'ai pas trop le choix. Et vous avez encore de quoi faire un dernier round. Évidemment. J'ai affaire à quels esprits cette fois? Je ne suis pas un esprit, je suis un maître de l'illusion. Je suis prêt.
Ben, je suis censé faire quoi avec ce truc? Comment, mais enfin, tu ne sais pas utiliser un grand. Ça n'a rien compliqué, tu le mets devant un objet de façon à ce que celui-ci se répète dedans, voilà. Ichigo, regarde, l'autre là, c'est le seul qui n'a pas de reflet. L'autre n'a pas de corps réel, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un autre facile. D'un autre factice. D'accord. Elle est simplement d'une hallucination. Or, une hallucination est une forme de vision et en matière de vision, je domine la partie. Je me suis débarrassé du premier miroir. Et si vous n'en alignez pas deux, vous ne pourrez pas m'enfermer. Je n'ai jamais remarqué que la surface de l'eau peut aussi faire que de la part. Ne vous imaginez pas que je peux vous laisser faire. Vous vous méprenez sur mon véritable pouvoir, le corps. Il est tellement plus vaste que ça. Allez, finis de l'eau, je vais anéantir sa mémoire et dévorer vos forces tout autant que vous. Je te le fais pour faire. Tu peux l'exciter comme tu veux, ça ne change rien. Pour toi, c'est l'enfer devant et l'enfer derrière. Allez hop, tourbillon céleste. Tout le monde va bien, plus ou moins, oui. A plus, quand l'ennemi a disparu, le jeu est parti. Il ne reste plus qu'à rendre le miroir et la fête sera réglée, non? Et d'ailleurs, de sortir ce miroir, pas de chez quelque chose, je suppose. Mais non, puisque le son du jeu s'est réactivé, on peut remonter ce motif de l'étudier. Ça va vraiment l'étonner de voir revenir un miroir qui travaille le feu. Avant qu'il ait le temps de s'étonner, il faudra surtout lui donner pas mal d'explications. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? J'aime bien avoir les deux Rukia sur le même écran, c'est sympa. Non, je me charge de tout expliquer à mes frères. Et ben voilà une réponse solide qui me rassure. On va donc viser notre proximité. Et moi j'expliquerai tout à Ichigo, Picard, à Okan, quand nous allons, quand nous allons faire, nous imposer un restant de temps. Bon, on sait ce qu'on a à faire alors. Donnez prêt, remontez à bloc. Je vous dis que je vais voir. Nous avons à nouveau une dette envers toi. Bah, je commence à m'y habituer. Tout cela n'a sans doute pas été très agréable pour toi, mais je suis contente d'avoir pu te revoir. C'est assez peu probable, mais si tu reviens par ici, d'accord, tu vas voir. On verra bien. C'était une plaisanterie, je suis venu si tu veux. C'est la fin, on est d'accord, c'est la fin. 1h10, 1h10. Et bien tant pis, on fera des tirages la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, ouais, hein, donc vous avez vu les épisodes, voilà, comme je vous disais, tous les. Tout le monde est à l'esprit de réflexion possible. Ah, j'ai des réflexions possibles. C'est des nouvelles résurrections, ça s'est apparu cette semaine. Bah écoutez, de toute façon, moi je vais m'occuper de ça. Et puis, bah, peut-être que là. Si quelque chose sort avant la semaine prochaine, ce sera tourné et ce sera certainement avec deux de ces personnages-là que je ferai mon training. Sur ce, je vous dis à bientôt.
Non, attendez. Attendez. Je vais faire une résurrection avec la Poker Orin version version piscine et on va se quitter là-dessus. C'est un petit bonus. よし、頑張るよ。えへー。織姫必殺。